Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de KTO Télévision, auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis heureux de vous accueillir en ce deuxième dimanche de Carême dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la deuxième conférence de notre cycle 2015, Six visages de la vie consacrée. Aujourd'hui, Mademoiselle Marie-Laetitia Calmin a intitulé sa conférence « Consacrée pour donner la vie ». Mademoiselle Calmin, vous êtes titulaire d'une maîtrise de théologie de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et d'un doctorat en théologie de l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome. Votre thèse sur les principes et fondements théologiques de la morale, selon Albert Chapelle, a été publiée aux éditions Parole et Silence en 2009. Actuellement, vous enseignez à la faculté de théologie, à la formation des responsables du Collège des Bernardins à Paris et à l'Institut supérieur des sciences religieuses de l'école cathédrale. Depuis le 23 juin 2013, vous êtes consacré dans l'Ordre des Vierges et c'est à ce titre que vous intervenez cet après-midi. Si la virginité consacrée apparaît comme une des formes de vie les plus mal connues à notre époque, elle plonge pourtant ses racines dans l'Écriture et dans la plus haute tradition de l'Église. Comment cet appel de Dieu retentit-il dans l'histoire d'une personne ? Que signifie aujourd'hui la consécration que l'Église attache à cette vocation ? De quoi est-elle le signe prophétique ? Merci, Mademoiselle Calmin, de nous aider à mieux comprendre comment la virginité consacrée symbolise, en sa radicalité, la vocation baptismale de tout chrétien. Éminence, mes seigneurs, frères et sœurs, chers amis, c'est par un événement qui pourrait paraître anecdotique que je voudrais vous introduire au thème de notre conférence, consacré pour donner la vie. Juste avant la célébration eucharistique, au cours de laquelle je reçus la consécration, Alix, ma nièce, courut vers moi. Elle était suivie par sa maman, qui d'un air un peu gêné me dit « Elle a une question, et je n'ai pas pu lui répondre. » Le regard d'Alix était franc et profond. Il exprimait cette grande et noble autorité que peut avoir une enfant de 4 ans, en particulier lorsqu'elle est traversée par une pensée qui lui vient comme d'au-delà d'elle-même. Très à propos, la demande d'Alix était simple et directe. « Pourquoi veux-tu te marier avec Jésus ? Il est mort sur la croix. » Quelques idées de réponse me traversèrent l'esprit. Elles sombrèrent cependant très vite dans un silence qui me fit réaliser que l'abîme exprimée par Alix était aussi le mien. Sa recherche de liens logiques entre l'alliance et la croix aboutissait à une impasse. Comment conjuguer la vie et la mort et la vie? Sa recherche reflétait les espoirs et les angoisses de notre société par rapport aux questions que posent la vie, la mort, la finitude dont le sens échappe. Mais où est Dieu? Pas de réponse, juste un silence dont l'écho retentit à travers une autre question, une autre recherche.
Et toi, Adam, ô homme, où es-tu? Si le don de la vie, les contingences liées à notre existence, le scandale de la mort suscite en nous, qu'on soit croyant ou non, la question de Dieu, ne serait-ce pas parce que cette quête est précédée par celle-là même d'un Dieu qui cherche l'homme? En m'indiquant la croix de Jésus, Alix m'invitait à signifier ce chemin emprunté par Dieu pour rejoindre l'humanité et lui révéler cette réalité plus décisive que celle de la mort, la liberté de choisir la vie. Comment cet appel à la vie peut-il retentir dans l'histoire d'une personne? L'évocation de quelques étapes du chemin parcouru nous conduira à aborder cette étonnante vocation de vierge consacrée. Peut-être s'agit-il de la forme de vie qui suscite le plus de questionnements. Quel type d'obéissance et de vie communautaire? Quel habit et quelle forme de pauvreté? Comment comprendre cette apparente indépendance si moderne? Certes, il s'agit d'une vocation originale. Pourtant, elle est très ancienne, intérieure à la loi de Moïse, annoncée par les prophètes, signifiée par les psaumes, elle plonge ses racines dans l'Évangile. C'est donc à la lumière de l'Écriture qu'il convient d'expliciter ce qui caractérise cet état de vie, la manière dont cette consécration est vécue concrètement comme le signe d'une fécondité promise par Dieu à toute vie humaine. Il y a quelques années en Belgique, au moment où je commençais à travailler comme infirmière, la question se posait de dépénaliser l'euthanasie. Ce que les débats autour de cette question révélaient avec force, c'est que la réponse ne se situe pas seulement dans l'argument philosophique. Le raisonnement ne peut suffire s'il ne s'ajuste à une présence réelle, c'est-à-dire à une présence qui suscite en l'homme ce qu'il y a de plus profond en lui, sa responsabilité. Cet appel à répondre du don de la vie. Comment témoigner de cette vie à laquelle Dieu nous appelle jusque dans l'extrême, jusque dans la mort? J'eus alors l'intuition qu'il fallait étudier la théologie. C'est là que je découvris à quel point les mots sont liés à la réalité qu'ils signifient. Comment communiquer cette réalité, cette vie, ce salut, sinon en s'y conformant? Les concepts n'ont de portée véritable que grâce au témoignage rendu. C'est en tant qu'elle réfère à une réalité vécue que la parole rejoint la personne en vérité. Mais cela ne s'avère possible que si le théologien communie à la personne du Christ, que s'il s'associe au mystère de Pâques. Il n'y a, face aux questions que le monde lui pose, face aux situations et aux impasses dans lesquelles l'humanité se trouve de réponse, que celle qui jaillit de la manière dont il s'unit ici et maintenant à la mort et à la résurrection du Christ. En me centrant sur la croix, la question posée par Alix me donna d'éprouver une nouvelle fois qu'il ne suffit pas de redire ce qui a été dit, de se référer aux discours les plus éclairants, aux paroles les plus pertinentes, aux affirmations les plus audacieuses. La réponse ne pouvait jaillir qu'à partir de ce lieu où la vie elle-même devient parlante, devient parole, où la parole devient capable d'exprimer ce don de vie qui nous précède et que l'on peut choisir et faire nôtre pour le donner,
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il fallait donc entrer dans la liturgie de l'Église, dans la consécration du Christ, en la faisant mienne. Centrons-nous à présent sur la consécration. Que nous dit-elle aujourd'hui de ce rapport à la mort et à la vie et à la mort ? En avançant ce jour-là, le jour de la consécration, dans la procession d'entrée vers l'autel, je ne pouvais pas ne pas penser à mes parents, à tous ceux qui m'ont transmis la vie d'une manière ou d'une autre. Parmi eux, il y a ces hommes et ces femmes très proches ou plus lointains et qui nous interpellent. Où est-il ton Dieu ? Il y a aussi ces visages contemplés dans l'Écriture et la tradition, cette nuée de témoins qui, à travers leur vie de foi, nous permettent de découvrir ce qu'est l'action de la grâce. Cette grâce, ce salut, cette vie à laquelle j'aspirais et aspire de tout mon être pour la communiquer. Avec eux, je voulais rendre grâce de toute ma personne. La consécration des vierges à laquelle l'Église m'appelait et m'appelle signifie cette action de la grâce. Les gestes liturgiques posés par la personne qui demande la consécration sont certes significatifs du désir qu'elle porte, du discernement opéré, du choix qu'elle pose. Mais ce désir, ce discernement, ce choix ne prennent sens que dans la consécration de l'Église, par ce don que le Christ fait de lui-même dans l'Eucharistie pour nous unir encore davantage à sa personne. Dans l'Évangile, selon saint Jean, c'est dans la consécration de Jésus au Père que les disciples sont consacrés. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Ainsi en est-il lorsque l'Église, corps du Christ, consacre. C'est du lieu même de son offrande, in persona Christi, que notre offrande prend sens. Unie au Fils, dans son offrande au Père, l'Église est consacrée et consacre, elle donne la vie. L'expression liturgique s'en trouve transfigurée, nouvellement porteuse de cette parole de vérité dont elle témoigne à chaque époque, en guérissant, en relevant, en consolant, en pardonnant. En consacrant, l'Église donne à la personne de s'unir au Christ. Elle fait sienne cette parole de Jésus adressée au Père. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Si la Vierge consacrée a pour lieu d'enracinement l'Église, corps du Christ, c'est pour être comme elle, envoyée au monde. C'est pour être, comme le rappelle la prière d'envoi à l'issue de la célébration, signe et témoin de l'amour de Dieu. Jean-Paul II décrivait la vocation des vierges consacrées en ces termes. Elle constitue une image eschatologique de l'épouse céleste et de la vie future dans laquelle l'Église vivra finalement en plénitude l'amour pour le Christ, son époux. La dimension eschatologique réfère non pas tant à un après la vie, mais à ce qu'il y a de définitif en elle,
Et qu'y a-t-il de définitif dans notre vie ? Le salut que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ. Le baptême confère à l'homme la plénitude de ce salut. Le chrétien est sans cesse appelé à entrer dans la mort et la résurrection du Christ, à témoigner du salut dont il bénéficie. La consécration des vierges, reçue des mains de l'évêque, exprime, en sa radicalité, la consécration baptismale. En sa radicalité, cela veut dire qu'elle réfère à la racine même de cette grâce qui sauve. En s'unissant au Christ époux, la personne consacrée s'engage à vivre le célibat pour le royaume. Son offrande intègre la racine de toute vie humaine. Cet appel, premier, est profondément inscrit en l'homme et la femme et qui consiste à être fécond. Ce choix ne peut se vivre qu'à la lumière du Christ qui se donne dans ce célibat, qui rejoint la personne dans les profondeurs de l'être, dans sa solitude originelle, au cœur de son humanité, cœur duquel jaillit alors une source de fécondité qui ouvre à la communion. La chasteté vécue par celui qui a choisi le célibat reflète la chasteté du Christ à qui il s'unit. Elle signifie l'intégralité, la totalité du don, l'union au Christ, et laisse par surcroît apparaître quelque chose de nouveau, un salut accordé à tous. La virginité consacrée signifie cette vie nouvelle dont elle est appelée à témoigner. Cette vocation ancienne renvoie ainsi au commencement toujours actuel de l'Église. Elle s'exprime à travers une vie communautaire et fraternelle semblable à celle vécue par les vierges à l'époque apostolique. La consécration des vierges est consécration en acte. L'amour du Christ résonne perpétuellement comme un appel à reconnaître cette vie en laquelle tous sont engendrés, pour s'y conformer, là où on se trouve, que ce soit dans sa maison, en paroisse, dans les lieux de mission, d'engagement, dans la vie quotidienne, avec les voisins, les commerçants du quartier, etc. Comme vous le savez sans doute, la Vierge consacrée n'a ni règle de vie, ni constitution. C'est la consécration même de l'Église qui est la règle de sa vie, qui est le principe de sa vie communautaire. Reprenons l'essentiel de notre réflexion sur la consécration. La consécration de l'Église, dans laquelle la personne consacrée s'inscrit, est eucharistique. Il ne s'agit pas seulement de vivre un célibat pour le royaume, mais plus encore de signifier par la consécration, dans l'intégralité du don, dans la totalité du don, l'intégrité du don, la virginité. Mais d'où vient cette intégrité, cette virginité ? Que signifie-t-elle ? Lorsque la Bible parle de virginité, c'est pour désigner la part réservée à l'époux, que seul l'époux peut découvrir. Ainsi, selon le Code de l'Alliance, je cite, « Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Si son père refuse de la lui donner, il versera une somme équivalente au prix fixé pour les vierges. » Le livre de l'Exode nous apprend qu'il y a un prix fixé pour les vierges, mais sans en mentionner le montant. Jusqu'où l'Écriture porte-t-elle cette énigme ? L'Apocalypse
nous livre une indication précieuse. Au sujet des 144 000 hommes vierges qui, avec l'agneau, chantent un cantique nouveau sur le mont Sion, saint Jean précise « Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. » Il y a donc un prix fixé qui, au terme de l'histoire, semble avoir été payé. Mais quel fut le montant de ce rachat? Quelle est donc, selon la Bible, la valeur de la virginité? Aux yeux des prophètes, la virginité se présente comme un point de repère pour évaluer la fidélité ou l'infidélité à l'alliance de Dieu. C'est ainsi qu'Amos dénonce l'idolâtrie du peuple. Elle est tombée, la Vierge d'Israël. Elle ne se relèvera plus. En s'adressant à Jérémie, le Seigneur parle d'une grande blessure qui blesse la Vierge. Je cite « Tu leur diras cette parole, que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour sans s'arrêter, car d'une grande blessure est blessée la Vierge, fille de mon peuple, d'une plaie profonde. » La Vierge tombe, elle est blessée, elle souffre d'une grande plaie et le prophète se lamente. À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui pourra te sauver et te consoler, Vierge, fille de Sion? Car il est grand comme la mer, ton brisement, qui donc va te guérir? Si la mer symbolise la mort, quel est donc ce brisement? S'agit-il de celui du corps de Rachel, déchiré jusqu'à la mort par les peines de l'enfantement, ou du brisement de cette femme qui, selon le livre des juges, après avoir été livrée au bon plaisir des impies, fut coupée en 12 morceaux, un morceau pour chaque tribu d'Israël? Il pourrait aussi s'agir de cette brisure qui, depuis le premier péché, traverse chacun d'entre nous. Cet abîme à partir duquel la nudité, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment, n'est plus immédiatement accessible. C'est en se référant à la Vierge que le Seigneur révèle, par la voix du prophète, l'épreuve du péché, l'abîme dans lequel se trouve le peuple, la brisure d'une humanité, la mort à laquelle elle est vouée. Ce qui surprend, c'est qu'après sa chute, même blessé, brisé, il est en effet toujours question de la Vierge. Plus profondément que le péché, à travers cette brisure aussi grande que la mer, il y a quelque chose qui apparaît, une parole qui vient comme éclairer les abîmes. La parole de Dieu portée par les prophètes, le regard divin dont ils sont les témoins, nous révèle une création nouvelle. Ainsi, entendons-nous par la voix de Jérémie, « De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Et le prophète Isaïe annonce « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. » Blessée, brisée, la Vierge d'Israël sera guérie, rebâtie et épousée par son Créateur. Malgré la blessure du peuple, de l'humanité, ce que la virginité exprime, c'est l'espérance d'un salut, la portée toujours actuelle du Verbe créateur. Le questionnement d'Alix, l'abîme qu'il signifiait, l'attente humaine qu'il révélait, se trouve éclairé par la voix des prophètes. C'est à la lumière de l'Alliance que la blessure de la Vierge, de l'humanité, apparaît comme un chemin de réconciliation de l'homme avec Dieu.
comme un chemin de pardon, comme un chemin de consécration. Si la consécration nous donne part à la virginité de la fille de Sion, cela ne se vit qu'en acceptant de se laisser traverser par sa blessure, par cet abîme que la venue de l'époux révèle, par sa mort sur la croix. C'est le choix du célibat pour le royaume. La virginité apparaît ainsi comme la part de notre humanité, de l'humanité, que le Seigneur se réserve malgré toutes les fautes commises. Cette part est le reflet du choix de Dieu. Elle signifie ce lieu secret, caché, où l'humanité se reçoit de celui qui l'a créé et la recrée. Un peu comme les ermites et les moines qui choisissent le désert pour chercher Dieu, la virginité signifie la part la plus désertée de notre humanité, là où on se retrouve seul avec le Seigneur, là où tout en le cherchant, on se laisse trouver, ou plus précisément séduire, selon l'expression du prophète Osée. Comment cela peut-il se faire ? Pour tenter une réponse ou pour éclairer davantage encore la question, je vous propose de nous référer à ce moment fondateur pour l'ordre des Vierges, à ce passage de l'Écriture qui laisse apparaître à nouveau le sens de la virginité. Il s'agit du récit de l'Annonciation selon saint Luc. Cette histoire, aux allures exceptionnelles, est au fond très réaliste. Elle décrit à merveille ce que représente la consécration au quotidien. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La présence du Seigneur, la consécration, s'exprime à travers la joie qu'il communique. La joie de Dieu, prophétisée par Isaïe, devient celle de l'épouse à qui l'époux créateur se révèle. Bouleversée, Marie se demande ce que signifie cette salutation. Le bouleversement exprime comment la nature humaine se laisse surprendre par la grâce qui lui est faite, par cette nouveauté qu'elle perçoit autour d'elle, qu'elle éprouve en elle. Si les sciences, la poésie, la musique ou l'art sont capables d'éveiller notre attention sur une réalité que nous n'avions pas encore perçue, ô combien la parole de Dieu nous éclaire-t-elle à partir du fond de cette réalité. Ainsi, c'est après que l'ange lui a annoncé l'incarnation du Verbe et son règne sans fin que Marie évoque le fond de cette réalité, sa virginité. Comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il y a quelque chose de beau, de grand, d'incompréhensible qui se vit, quelque chose d'entier, de réel, de plus profond que l'abîme du mal dénoncé par les prophètes. Cette ombre à laquelle Marie a dû être confrontée représente la dimension mystique cachée des noces. Il s'agit du secret de Dieu, de ce Verbe qui se fait chair. Depuis Ève jusqu'à Élisabeth, il y a tant de signes qui révèlent cette grâce qui la comble. Le consentement de Marie au dessein de Dieu est réel. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'adhésion de toute sa personne au salut donnera à la Vierge de magnifier le Seigneur, c'est-à-dire d'annoncer ce qui lui apparaît à l'ombre du puissant, tout comme au cœur de son être, et qui jusque-là n'avait peut-être pas été assez perçu, cette miséricorde de Dieu qui s'étend d'âge en âge. Ainsi se vit la consécration au quotidien, dans la joie du salut et la grâce du service.
On ne peut témoigner de la miséricorde de Dieu que si on se laisse traverser, non pas d'abord par l'abîme du péché, du mal, mais par celui qui le porte en chacun de nous et dont on découvre le visage en s'abaissant, en écoutant toujours plus profondément la parole de vérité inscrite dans le cœur de tout homme. Telle est l'obéissance quotidienne vécue par la Vierge consacrée, une obéissance qui lui donne d'être elle-même, d'être libre. L'Évangile, selon saint Jean, nous invite à faire un pas de plus. En évoquant dans son prologue le commencement du Verbe, l'évangéliste décrit ce que la Vierge vit à l'ombre du Puissant, la façon dont le Verbe s'unit à l'humanité. C'est à l'école de Marie, de son être femme et mère, qu'il nous donne d'entrer dans ce mystère d'alliance. Lors des noces à Cana, le Seigneur s'adressera à Marie en disant « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Que ce soit à Cana ou à la croix, entre Jésus et sa mère, il y a les serviteurs et les disciples. Il y a une humanité en attente du salut. Au regard du Christ, nouvel Adam, la femme est l'aide assortie. Elle est celle à partir de qui, dans sa relation au Père, il va donner sa vie, il va donner la vie. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. D'où cette unique recommandation donnée par Marie dans l'Évangile. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. En écoutant et en mettant en pratique tout ce que le Seigneur dit, le disciple reçoit en lui le tout de cette parole. Il reçoit en lui cette parole de vie qu'est Jésus, cette parole qui, dans le secret de son cœur, à l'intime de l'être, lui donne d'entendre la voix du Père. La maternité de Marie exprime la façon dont nous sommes appelés à signifier ce tout de la parole, cette vie qui vient de Dieu et à laquelle nous participons dans l'offrande de Jésus, dans son action de grâce. C'est en nous unissant à sa personne, en nous laissant aimer jusqu'au bout, totalement, qu'il nous est donné d'aimer de l'amour même de Dieu, c'est-à-dire d'un amour qui va jusqu'au bout de lui-même, qui pardonne et qui devient source de vie, de salut. En tant qu'elle signifie le salut de Dieu, premier mystère qui touche l'être, la vocation de Vierge consacrée est intérieure à toutes les autres. Elle symbolise, en sa radicalité, la vocation baptismale ainsi décrite par l'apôtre des nations. Je vous ai fiancé à un époux comme une vierge pure à présenter au Christ. Si elle apparaît souvent comme insaisissable, c'est précisément de par ce qu'elle signifie, la nouveauté de l'existence chrétienne, le baptême et le don de l'Esprit Saint, l'être en Dieu et l'attention au sens donné par l'Esprit à l'histoire, à cette histoire blessée, abîmée, brisée d'une grande brisure et qui, au rythme de la consécration, se laisse transfigurer, devient par pure grâce un lieu de bénédiction. Telle est, à mon sens, la spécificité de cette vocation, exprimée entre autres par la très belle figure de Sainte Geneviève, qui, en intercédant auprès d'une cité désemparée, pour les pauvres, les malades, les pécheurs, pour les corps brisés, sera douée d'autant de grâces eucharistiques, parmi lesquelles une multiplication de pains. La vocation de Vierge consacrée est une vocation eucharistique. Cette consécration ecclésiale, vécue dans la cité, au cœur du monde, cachée
aux yeux du monde, est une source de vie pour le monde. Si, comme nous l'avons vu dans l'Évangile selon saint Jean, la maternité exprime la vie de communion, la virginité nous associe à la source de cette vie, à cet esprit qui nous habite et nous guide. On n'aura jamais fini de s'unir au don que le Seigneur fait de sa vie et qui nous précède, de découvrir le prix fixé de notre rachat et qui fait qu'on ne s'appartient plus. Il y a une part de notre être en lui et plus profondément encore de son être en nous qui nous échappe. C'est le salut qu'il nous accorde à cette heure même. La consécration nous associe sans cesse à cette présence du Christ mort et ressuscité, et qui ne cesse d'habiter les dépouillements et les effacements de notre humanité. Voilà pourquoi, Alix, je m'unis à Jésus mort sur la croix et ressuscité. Parmi les signes remis par l'évêque, il y a d'abord le voile. Ce voile, qui dans le temple marquait le passage dans le Saint des Saints, nous renvoie au lieu de notre engendrement à la vie éternelle, ce lieu auquel on accède particulièrement dans le service. Servir le Christ et son corps qui est l'Église, c'est à travers les attitudes et les actes laisser jaillir la vie de Dieu toujours plus profonde que la mort de l'homme, que sa finitude. Le rituel de consécration nous appelle à être des servantes du Seigneur de nom et de fait, à l'imitation de la Mère de Dieu. Il s'agit de vivre la consécration en acte, de s'unir au Christ qui nous livre le secret du Père, son nom, et cela au cœur de nos relations, à travers nos activités, au lieu de notre repos. Cette union est alliance. C'est pourquoi la consacrée reçoit de l'évêque cet autre signe qu'est l'anneau, qu'est l'alliance. La Vierge est appelée à être épouse du Christ, premier témoin de sa mort et de sa résurrection dans le cœur de l'homme. En vivant dans le monde, elle se laisse traverser par ce qui traverse l'humanité, ses inquiétudes, ses peines, ses joies, ses souffrances et ses espérances. Elle vit tout cela en s'unissant au Christ, en intercédant pour cette humanité qui est aussi la sienne. Le troisième signe qu'elle reçoit est le livre de la prière de l'Église. La liturgie des heures lui offre un espace privilégié pour dialoguer avec le Seigneur, pour entrer dans sa grâce d'intercession. Nous nous y laissons éduquer par l'audace d'un peuple qui relie son histoire dans la prière, en s'adressant à Dieu, tantôt en l'évoquant, en l'invoquant, en intercédant, tantôt en laissant résonner ce silence subtil à partir duquel le Seigneur se révèle dans le secret des cœurs. À travers sa prière, Israël nous éduque à la liberté des enfants de Dieu. Le psalmiste n'a pas caché ses incompréhensions, ses colères, ses déceptions, ses échecs, ses limites, l'abîme éprouvé. Il n'a pas non plus oublié de partager ses joies, ses réussites, son bonheur, ses espérances, son amour. La prière des psaumes nous apprend ainsi à nommer tout ce que l'on vit, à en faire, à la suite d'Israël, un lieu de dialogue avec Dieu. C'est alors qu'on y découvre l'être du Christ qui s'y révèle. Jésus a prié les psaumes. Dans son dialogue avec le Père, il a fait sienne tant la colère que la joie du peuple, l'épreuve d'abandon que la grâce de communion. Il enrichit chacune de ces réalités vécues de son être, de tout ce qu'il est. C'est pourquoi
la prière des psaumes est un lieu privilégié pour assumer les sentiments qui sont les siens. Lorsque l'Église prie les psaumes, elle s'unit à la prière du Christ et s'inscrit dans son intercession pour l'humanité. La Vierge consacrée, qui fait sienne cette prière, s'associe à la maternité universelle de l'Église. Elle intercède de toute sa personne pour la vie du monde. Cette vie qui jaillit est lumière. Et c'est pourquoi, et je terminerai par là, le dernier signe que la Vierge reçoit, que la Vierge consacrée reçoit, est le cierge. Cette lumière éclaire la venue de l'époux. Comme les anges l'ont dit aux apôtres juste après l'ascension, il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Comment cela peut-il se faire? Comment Jésus, en partant, se rend-il infiniment présent au principe de la création de notre être, nous associant ainsi à la grâce faite à Marie? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Telle est la fécondité à laquelle nous sommes tous appelés. Merci. Comme chaque dimanche, nous prolongerons cette conférence par un temps d'adoration et de prière.
Seigneur Jésus, ressuscité, présent dans cette Eucharistie, nous t'adorons et nous te vénérons. Consacré dans la vérité, tu as donné ta vie, ayant aimé les tiens qui étaient dans le monde, tu les aimas jusqu'au bout. Et tu as donné ta vie pour qu'ils aient la vie en plénitude. Par ta mort, tu ouvres le chemin de la vie. De ton côté transpercé jaillissent le sang et l'eau qui sont avec l'Esprit les trois témoins par lesquels nous reconnaissons que c'est de ton corps transpercé que jaillit la vie du monde. Tu t'es consacré dans la vérité pour que nous puissions connaître le Père et que, connaissant le Père, nous vivions de sa vie. Depuis ce jour, sur le calvaire, où la vie a jailli de ton corps mort, des millions d'hommes et de femmes se sont tournés vers ton image pour y reconnaître le signe de la miséricorde, de la réconciliation et du pardon. Et aujourd'hui, nous voulons nous joindre à eux pour reconnaître en toi celui qui est la source de la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Jésus, envoyé par le seul vrai Dieu. Donne-nous d'accueillir cette connaissance dans la plénitude de notre liberté, pour que nous aussi, nous partagions ta consécration pour la vie du monde. Ouvre nos esprits et nos cœurs pour que nous puissions à notre tour devenir source d'eau vive. Ouvre nos existences pour qu'à travers notre manière d'être et d'agir, l'amour de Dieu soit rendu présent en ce monde. Renverse les obstacles qui nous empêchent d'accueillir pleinement ta vie. Remplace nos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Surmonte en nous la tentation de l'indifférence, de l'ignorance, du mépris ou de la haine, et remplace-les par le désir d'un amour toujours plus fort.
Seigneur, depuis Ève, la mère de tous les vivants, chaque personne de notre espèce humaine reçoit la vie d'une femme. Chaque personne de l'espèce humaine reçoit la vie de Dieu par la médiation de sa vie humaine et de celle qui l'engendre. Avec Marie, avec le oui qu'elle a prononcé à l'appel de Dieu, le Verbe éternel a pu prendre chair dans l'existence humaine, et Marie est ainsi devenue la nouvelle Ève, source de vie pour l'humanité à travers la vie qu'elle permettait de prendre au Fils de l'homme. Au pied de la croix, partageant l'offrande de son Fils, elle fut donnée par lui comme mère aux disciples et le concile a reconnu que cette maternité faisait d'elle la mère de l'Église et d'une certaine façon la nouvelle mère de l'humanité, ou du moins la mère de l'humanité nouvelle qui est appelée à renaître. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les femmes qui ont été porteuses de la vie pour l'humanité. Nous te rendons grâce pour celles qui ont répondu à l'exemple de Marie en se donnant tout entière pour figurer les futures noces éternelles de Dieu avec l'humanité. Nous te rendons grâce pour celles qui sont appelées à vivre la consécration des vierges et qui donnent ainsi le signe de la véritable fécondité de l'existence humaine, qui n'est pas seulement la transmission biologique, mais qui est aussi et d'abord la transmission de la filiation divine. Nous te rendons grâce pour toutes celles que tu appelles à contribuer à la maternité de l'Église en renonçant à la maternité humaine. Seigneur, bénis celles que tu as choisies et que tu as appelées, qu'elles soient pour nous le signe vivant de la nouvelle alliance perpétuelle scellée dans le don de Jésus-Christ sur la croix, qu'elle soit pour nous un appel à une ouverture toujours plus large vers l'amour de nos frères.
Santum ergo sacramentum. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Béni soit son saint nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu.